Bonjour, vous êtes sur EuroPocket Télévision et aujourd'hui c'est vendredi 27 avril et comme nous sommes dans la semaine pour la sécurité routière des jeunes, nous avons choisi de dédier l'émission à ce thème. C'est parti. Se donner un premier objectif, c'est sauver au moins 25 000 vies d'ici 2010. Où en sommes-nous en 2007? Nous en avons pratiquement sauvé 12 000. Nous ne sommes pas encore arrivés au chiffre de 25 000. Donc il faut redoubler nos efforts. We can help the driver to avoid to make errors or to correct some of the errors, but it's totally impossible to make sure that all the errors are either avoided or corrected by technologies. It must be done by the drivers. The ultimate responsibility will always be with the driver. Comme on vient de le voir, ce qu'il faut changer en premier lieu, c'est les mentalités. Et plus on en parle, plus les conducteurs seront conscients des dangers et des préventions. C'est le but de cette première semaine européenne. Des icônes se joignent aux hommes politiques pour insister sur les messages, comme Michael Schumacher et Tony Blair qui ont fait campagne ensemble pour demander une assemblée des Nations Unies sur les accidents de la route. Le pape Benoît XVI lançait, lui, ce mardi, un appel aux jeunes à la prudence et partout en Europe, des rencontres s'organisaient pour sensibiliser les jeunes. L'Association européenne de la police de circulation organise Opération Speed contre la vitesse excessive et renforce l'ensemble des contrôles de vitesse pour faire lever le pied aux conducteurs. Le problème, c'est certains pays comme l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie ou même l'Allemagne où il n'y a pas de limite de vitesse sur les autoroutes. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il ne faudrait pas uniformiser les limites de vitesse dans toute l'Europe? C'est aussi la première semaine mondiale pour la sécurité routière des Nations Unies, du 23 au 29 avril. Son but est d'améliorer la sécurité routière des jeunes partout dans le monde. Le slogan « La sécurité routière n'est pas un accident ». C'est pourtant la première cause de mortalité des 10-24 ans. 400 000 jeunes en meurent chaque année dans le monde. Les Nations Unies appellent donc les gouvernements à prendre des décisions significatives au plus haut niveau, car au-delà des ministères des Transports et de la Santé, bien d'autres acteurs jouent des rôles clés. Les parents, les professeurs, les communautés, les constructeurs et les associations automobilistes. À travers l'Assemblée mondiale pour la sécurité routière des jeunes, l'événement majeur de la semaine, les Nations Unies, l'Organisation mondiale de la Santé et leurs partenaires donneront une voix aux jeunes pour écouter leurs conseils. Et enfin, le bus Erasmus n'est pas le seul à prendre les routes européennes pour mieux faire passer son message. Le European Diversity Truck a quitté Strasbourg mercredi pour un voyage à travers 19 pays pour promouvoir la diversité et l'égalité des chances pour tous. Des salons de l'emploi, des festivals publics et toutes sortes d'événements sont au programme pour que chacun puisse venir et raconter ses expériences et faire bouger les choses. Une belle aventure à suivre de près et à laquelle on souhaite beaucoup de succès et de réussite. Voilà, c'est comme ça que se termine cette semaine. N'oubliez pas de nous envoyer par mail le nombre de fois que nous avons porté cette marque cette semaine pour recevoir un t-shirt. À lundi et prudent sur les routes. Ciao.